Pour monter jusqu'à la vague 7, je sais les gars. Je sais. I know. Mais j'ai envie de tester, j'ai envie de pousser. Merde, j'ai zappé ça. On a bien bourré comme il faut les trucs là. Bon. Non! Oh putain, il allait du mauvais côté, ça m'a terrifié. Oh, c'est des octoïdes! Wouah! Ifif! Oh! FF! Wouah, FF! C'est tellement FF! Qui va se passer. Vous savez que ça passe en plus, hein. J'en reviens pas, ça passe. Ça, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas. C'est-à-dire qu'on va passer la vague là. Je suis sidéré là de ce que je suis en train de voir. On va y arriver. Je n'en peux plus. Comment c'est possible? Alors dragon, tac 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 tac, je pense que je vais avoir besoin de... Ouais, faut pousser hein. Sur l'entière, il va falloir pousser hein. Ouais, j'ai tout upgrade à fond. À droite, il me faut un entière. À droite, il me faut un entière. Ici, on va poster des balises partout. Ok, à droite un anti-air, il faut poster des balises partout à droite parce que globalement tous les golems vont à droite. Ouais, ok. À droite faut poster un anti-air en plus. Faut upgrade tout cela aussi. Voilà, faut qu'il se fasse baiser les mobs. Hein. Donc là, y a rien qui va passer. Mais attendez, j'ai survécu à cette game en revendant à la chaîne des tours là. Faut que je passe la 12, hein. De toute façon, c'est pas fait encore. C'est la dernière vague. Ok, là-haut, il y a besoin de bloquer à gauche. À droite, est-ce qu'il y a besoin de bloquer? Probablement. Je peux pas upgrade, mais il va prendre sa race de toute façon. En haut à gauche, ça passe. Bon, ça passe de tous les côtés là. Ça passe de tous les côtés là. Il y a zéro volant effectivement sur la dernière vague, pas un seul volant. Du coup, toutes mes grosses tours anti-aériennes déjà remboursées. Voilà,
je sais pas pourquoi je le gèle, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Franchement, on va se mettre ça. Voilà. Into ça. Là, il va me falloir de la baliste jusqu'à plus soif. Hein. Vraiment de la baliste partout. Hein. De la baliste partout. Je le pense. On va essayer d'utiliser le double hit du level up. Il est mort. Ok, prochain level up. Dès qu'il met un coup. Ça marche pas sur ça. Ok, dommage. On essaie de damage ici, on essaie de damage là. Faut que ça tombe là-haut. Faut que ça tombe, nice. Nice, beaucoup de dégâts, j'aime bien. Lui, il se tourne. Oh là là, il se fait faire... Il se fait juke. Ok. Magnifique. On a 60 ici. Lesquels ont le moins de chances de passer? Je dirais que c'est là. Du coup, on va upgrade ça. Voilà. C'était là-haut. Les gars, je vais passer ça. Je vais passer... Attends, j'ai passé le niveau en revendant mes tours à la chaîne et en perdant les tuiles à chaque fois. Oh putain. J'en reviens pas. J'ai perdu un milliard. À chaque fois j'étais en mode bon on teste cette vague, on voit si ça passe. On teste cette vague, on voit si ça passe. On teste cette vague, on voit si ça passe. J'étais un disque rayé. Pour vous aider à lutter contre la corruption au cœur de la forêt primale, la guilde des artisans a développé la tour élite lance-flammes à partir de la tour Blizzard. D'accord ? Faites-en bon usage pour protéger vos fermes. N'oubliez pas que la glace éteint le feu. Et inversement. Un peu tard pour l'expliquer celle-ci. C'est le dernier appliqué qui reste. C'est le dernier appliqué qui reste ? C'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Il a raison. Et oui. Tu fais pas les level bonus ? Oh, je sais pas, j'avance, je joue, j'enchaîne les niveaux là. Je me régale. Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Ouais, je crois. Ref à Against the Storm. Je sais pas. 100 balles. Santos Balos. Alors là. Ah, le problème c'est que c'est le mieux que je puisse faire, hein. À cause de la corruption, je peux pas faire mieux. C'est horrible les bruits qu'ils ont mis dans le jeu. Pourquoi faire ? Mais pourquoi faire ? Ok. Osseux. Osseux. Oh, c'est du osseux corrompu en plus. Ah, les bâtards.
Et les fermes. Bah en gros j'ai vu que la thune des fermes tu les gagnes à la fin du round. J'ai construit mon pattern et je me suis dit bah je vais voir si je gagne de la thune pendant le round. Ce qui pourrait peut-être me permettre de poser des tours puis de faire le truc. Puis de faire les fermes. Pendant le round. Vraiment les trois inutiles. Pas d'intérêt pour l'instant. Parce qu'en fait, si je les revends... Là, en gros, pour 15, je fais une ferme en plus. Pour 15, je fais une ferme en plus. Donc bon. Là, ça va être un archer, je pense. Hein. Non, pas ici. Ça va être un archer là. Ah oui, mais... On va bien voir. Parce que là, du coup, pour 15, j'en fais une de plus, tu vois. Donc là, voilà, j'en ai... J'en ai 6. Après, c'est des humanoïdes. Donc là, je fais 70. Et voyez là, pour... alors là, je me suis renvoyé 8 et 3, donc 11. Donc là, ça me coûte 0. Pour 5, 10, 40, j'ai plus 1. Pour 40, j'ai plus 1. C'est turbo worth. En termes de ferme, je pense que c'est oméga worth. Ah mais oui, mais attends, plus 1. Et non. C'est 45. Un peu moins worth là du coup, mais bon. On fait aller. Ok, on s'envoie ça. Et après on s'occupera de l'aérien. Oh les bâtards, j'avais pas vu ça. Oh les chiengues. Salaud. Ils arrivent quand les insectoïdes? Ils arrivent round 6, on est tranquille. On est tranquille pendant un moment. C'est chiant là. Ah les bâtards, putain, faut commencer. Tu trouves que c'est pas un peu dommage de pouvoir reset chaque wave pour pouvoir no hit? Non, justement, heureusement que ça y est. Hein. Avant, il n'y avait pas ça, tu revenais deux vagues en arrière et je vais pas te mentir, j'avais envie de jump. Hein. En fait, vu que c'est le seul intérêt du jeu, enfin, pas le seul intérêt du jeu, mais je veux dire, c'est le seul challenge du jeu que de réussir en mettre les niveaux en no-hit, bah, autant un petit peu faciliter la vie de ceux qui jouent au jeu dans cette difficulté, tu vois, dans cette difficulté. Et même si ça existe pour les autres niveaux de difficulté, bon, c'est pas grave, tu vois. De toute façon, le jeu, c'est un puzzle, tu vois. Donc, c'est pas vraiment un... C'est pas un jeu où tu vas grind. Tu poses pas ton cerveau dans ce jeu, quoi, en gros. Donc, bon. Non, moi, je trouve pas ça dommage. Du tout, même. Pardon. Voilà. J'aurais pu upgrade tout de suite et ça serait passé, je pense. Bâtard, ils vont attaquer mes champs, les insectoïdes, par ici en plus. Les salauds. J'ai la haine. Et voilà. Et ça passe pas! Pour une ferme en plus, t'as un carré. Ah ouais? Tu le vois où? Ouais, je pense que les fermes, c'est trop greedy. Hein. Dommage, hein, parce que j'aurais bien aimé gratter là. Mais du coup ça me baise pour faire mon plan là. Ouais, les fermes rapportent combien d'income? C'est 10 balles par ferme à la fin du round. Encore en vie, parce que s'il y a des mobs qui passent dessus, elles sont détruites. Et du coup elles donnent 0.
Et donc là, c'est peut-être le premier niveau dans lequel on va être inquiété par ça. Pour ça, pardon. Il me manque 10 balles. J'ai mal joué au round d'avant, j'aurais pu avoir une ferme en plus. J'ai mal joué, j'ai très mal joué tout à l'heure. My bad. Bon, bah, pas grave, on va continuer comme ça. Là, c'est des volants en plus, donc ça va être chiant. Tout simplement. Je vais agrandir par là après, de toute façon, donc je vais en profiter. Ah les bâtards, c'est que du corrompu en plus hein. Mon income se base sur mes fermes là. Oh ça passe pas. Ça passe. Voilà. Du coup, si j'ai envie d'upgrade... Alors là c'est chiant parce que je me suis un peu fermé. Ok. Je vais revenir là où j'ai raté. C'était là où j'ai raté. J'avais pas la thune de faire les fermes. Ah merde. Oh, ça va être chiant. Mais ouais, et du coup là, ça passe pas là. Et il a 4 et là. Ok. Ah oh merde, il a tiré. Ouais, ça sert à rien. Dommage. Il a tiré un coup en trop. Bon, c'est pas grave. Je peux pas faire les fermes, je pensais que je pouvais, mais je peux pas. Du coup, j'ai perdu aucun. Bah. I3, J11, J11, J12, J13 et I14. A, B, C, D, E, F, G, H, I. J11, 12, 13, 1, 2, 3, 4. Et I14, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et je gagne 3 fermes. Ouais, mais ça me demande de poser 5 blocs. Tu te rends compte de ce que ça coûte ou pas? C'est 75 balles. Enfin 4 quoi. Ouais mais je tiens pas la suite là. Oui J11 useless ouais pour le coup. Ça va suffire de faire ça. En soi, et là je fais plus 2 du coup. Voilà il me reste 27. Là c'est la vague des volants. La vague des volants. On va la gérer comme ça. Sauf que... Eh ça passe pas la vague des volants du coup. Voilà. C'est ça le problème. Et le problème c'est que là c'est mignon mais ça passe pas. On ne passe pas la vague. Donc ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça. Ouais, ça change rien, je suis obligé de... Je
construire un mur de ferme juste au-dessus de ta cam et celui du milieu du carré pour voir les trois fermes à droite, ça te coûte que deux murs. Non, tu peux pas utiliser les... En fait, il faut que vraiment que ce soit entouré de tours de remparts qui ont des toits de ferme. C'est quoi? Chevalier. Ah, c'est Armored. Hein. Armored en balle. En balle. Le bruit de mes balles. Lola et j'en mets un à côté. Wouah, mais attends vraiment là. Oh, c'est des big chevaliers en plus. Wouah. Oh, j'ai int à poser ça. Courage, hein. Je pense pas que ça passe. Cela dit, il y en a très peu. Mais il leur faut 10 coups, quoi. Ok, il arrive à le damage un petit peu. Il y en a deux d'un coup après qui arrivent là. Ça fait 4 chevaliers. Bon, écoute, il va perdre ses HP lui. Hein. Faut qu'il s'endorme ici là. Sinon, c'est chaud. Lui, il va être vivant. Ouah, il y en a deux d'un coup. Je pense pas que ça passe. J'ai peur. De toute façon, il me donne 0 thune. Donc, c'est pas comme si je pouvais y faire quelque chose. Ok, il a bien été slow. On va bien profiter. En plus, il est endormi là. Ouais, je pense que ça passe. Allez. Allez, ouais, nice, ok, cool. Là, on est sur des sacs à fric, donc là, ça va rapporter beaucoup d'argent. Donc là, cette vague, je vais la lancer et l'analyser. C'est peut-être le moment de se balancer un petit... Non, je l'ai placé au mauvais endroit. Je recommence. Parce qu'en gros, là, c'est peut-être le moment de poser le lance-flamme. Voilà, d'upgrade ça. Et maintenant, faut faire confiance au sac à freak. Bon, là, évidemment, on va pas leur faire de dommages parce que bah, ils régènent en fait. Hein. Ah ouais, c'est chiant ça. Hein. Ah, je peux pas. Non ! J'ai pas envie de hurler, pardon. Ça m'a fait du bien.
faire plus. On peut faire plus, on peut faire plus. En fait, globalement, je peux emprunter tout l'espace qu'il y a. Je peux utiliser tout l'espace qu'il y a ici, donc... Là, globalement, je pense que je vais 1, 2, 3, et je vais faire tout ça et ça, et on va tout... On va tout prendre. Non, me dis pas que ça va compter comme... Il n'y a pas besoin de ma droite, pas quoi. Je pense qu'il y a... Ouais, merde, j'ai mis un mur en trop, c'est pas grave, ça se revend. Oh merde, mais je suis con, moi. J'ai pas mis ma tour. Ah, oublié ma tour, le teubé. J'étais focus sur ce truc-là, j'ai carrément oublié la tour, quoi. Voilà, c'est bon. Les volants, ça va être chaud, par contre. C'est impossible, hein. S'il y a des volants, je quitte la game, hein. Dommage. Je quitte la game, littéralement. T'en pleures, hein. J'en pleure de ce que je vois. Hein. Ça y est, je suis heureux. Les gogo, les gogo. Ok. 40. 200. T'as intérêt d'envoyer sa mère, toi, hein. Bon, ça a l'air de bien marcher, hein. Putain, je m'attendais pas à ça, j'ai cru que j'allais pouvoir stonks. Mais c'est de la poudre de perlimpinpin. Les mobs ils disparaissent. C'est de la poudre de perlimpinpin. Ah mais c'est perdu là. Ils vont cramer tous mes champs. Le problème, c'est qu'elle coûte 200, frère. Elle coûte 200, sa mère. Elles avaient 2 HP, ça devrait passer là, non? Mets un coup, mets un coup, mets un coup, mets un coup! Oh putain. Pas les couilles. Hein. Je lui mets la bique dans le front là. C'est vrai qu'avec le P90, bon. C'est vrai que le P90. Mais le P90 il tape que dalle dans l'armure quoi. C'est ça le problème. Hein. Est-ce que ça va revenir au même?
Après, globalement, là... Spiff. Oh, y'a pas un champ qui a été touché en plus, my dream. Ok, chevalière. Balista. La sainte baliste. Priez la sainte baliste, le chat. Oh, l'avantage, c'est que ça reprend pas l'armure, hein, du coup. Tu peux régène, effectivement, mais ça régène pas l'armure, cette merde. Par contre, faut que tout meure ici. Je suis mignon, moi, mais... Je suis ouf. Tout doit mourir, en fait. Tout doit disparaître, là. Eh ben, tout a disparu. Magnifique. Faut pas mettre de gel à côté du feu. Oui, il y a deux gels, là, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais ça fonctionne aussi pour mes tours, je suis con. Golems! Ça, c'est moi, ça, dans le jeu. Pif. Non, je pense dès qu'il y a un chapeau dans un message, tu peux envoyer une petite minute. Tu peux envoyer une petite minute. Souvent, le message qui est avant, c'est du backseat et c'est malvenu. Donc, tu peux mettre une petite minute comme ça, un petit crochet. Hop! Du coude comme ça. Hop! Gentil. Gentil mais lucide. Attention. Pas fou, le gars. Oui, parce que c'est... C'est bon, bah, il se voulait. Tout le monde est. Bravo le chat. Juste bravo les gars. Bravo pour ce que vous faites. Y'a des volants, c'est perdu. Voilà, bon bah. C'est ici que c'est loose, hein, mais bon, c'était sympa quoi. Y'avait même pas besoin de faire ça, ce que j'ai fait là. Sac Afrique! Avec en plus la petite gestion. Vous êtes fort le chat. Bravo. Change rien. Hop là, petite catapulte améliorée. Boum. D'ailleurs, en parlant de horde. Donc là, c'est nickel. Nouveau! Ok. Bon, bah, qu'est-ce que c'est alors, les nouveaux? Qui sont les petits nouveaux? Qui c'est qu'on va accueillir dans le chat là aujourd'hui? Hein, qui c'est les petits nouveaux là? C'est qui les petits nouveaux là? Présentez-vous les petits nouveaux. Ouais, oh, dis donc, okay, si ceux qui sont super rapides eux. Yeah. Merde, les petits nouveaux. Non, ils étaient trop rapides les petits nouveaux. Je propose. Avis? Avis sur la propale? What the fuck, boys? PPPPU. Le coup de catapulte qui part comme dans le film Wanted là. Faut avoir la ref quand même. Alors le problème c'est qu'après il va y avoir une horde avec des volants et de l'armure. Oulala. Il meurt de feu? Ah! Eh non, bah non. Voilà, il s'est passé. Surprenant, vous pouvez me dire. Splendide. Et là, il y a des volants, il y a de tout. Il y a de tout là. Bon, on va voir les volants si ça passe. Déjà, on va commencer par ça. Est-ce que les volants passent? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Hop là, moins un.
Je touche à rien, je vois ce qui se passe, ok? Tac, 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 tac. Bon, les volants, ça a pas l'air de passer. Du coup, dans le doute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du DPS. Il est mort. Et il y a deux qui passent. Ouais, c'est impossible. Mais du slow, ça sert à rien pour les poulpes. Ah oui, c'est vrai que c'est la dernière vague. On peut tout vendre, non? Oh non, va falloir faire ça trois fois parce que je vais perdre la vague trois fois, c'est ça. Ça va être chiant, pas vraiment. Alors déjà ça c'est pas mal. Ouais, le bouton revendre par pitié, hein. On en peut plus. Hein. On en peut up, on en peut up. Tac tac tac. Je pense que si j'upgrade ça et que je revends ça, on est bon. On peut s'envoyer. Bon, il y a un petit pont en plus qui part. Normalement ça devrait être un peu plus expéditif, on va dire. Bien comme il faut. Magnifique. Oh, le problème c'est qu'il meurt pas. Putain, j'avais fini, j'avais réussi. On doit recommencer. À côté, c'est agaçant. Volontiers à la fin. Ouais, je sais, c'est pour ça que je l'ai fait, mais c'était trop tard. Enfin, bref. Voilà, donc là, c'était le play de faire ça, parce que ça l'a grave ralenti, c'était une bonne idée. Ici, on peut upgrade ça et ça. Je l'ai monté max. On va monter en T3 ici aussi. Celle-ci, elle est maxée. Ouais, tout est maxé là-bas. Et la petite last ici qui doit aider. Sauf que il faut que je sache à peu près quand est-ce que. Quand est-ce qu'il va falloir que. On switch sur. Quand est-ce que j'enlève l'entière, quoi. Je pense que là je l'ai enlevé au bon moment. C'est fait, je crois. Magnifique. Avec le petit serpentino de pierre et de fer. Symétrie. C'est le nom de ce plateau. Il est beau hein, quand même le plateau là, tout réussi en mètre là, de tous les côtés. C'est beau, splendide. Que j'ai pas vu. Pourquoi tu n'as pas fait celui de gauche? J'ai eu la flemme. Je vais pas te mentir. C'est un truc bonus. Ça me permet pas de progresser dans des nouvelles techno et découvrir de nouvelles fonctionnalités. J'ai eu la flemme.
Il est grave long le jeu en fait. Ouais, il y en a pas mal de trucs. Ok, on continue. J'arrive, je vais aux toilettes et on fait ce monde. Continue ? On continue. Alors, hop. Hop. Alors. Oh bah tiens ! Vous savez à quoi ça sert ça ? On va digresser là. On va digresser le truc. Ah merde, mais c'est chiant là, parce que du coup, les chemins... Ah ouais, ça va être super chiant. Oh, ça va être super chiant. Non mais ça, c'est bien. Ça, c'est la zone dégressive des mobs. C'est super, top, j'aime bien. J'aime bien quand il y a des mobs et tout. Toi tu dois aller là. Bah tu vas pas y aller je pense. Imagine t'y vas pas genre. Oh vous me faites chier hein. Oh, ça va être chiant. Oh, alors on va se concentrer un moment là. Parce que putain... Il va être chiant lui. En plus, pour récupérer les trucs, c'est chiant de fou. Faut cliquer rapidement. Comment on va faire? Envoyez des schémas paint sur le Discord, les gars. Si vous voulez... si vous voulez m'aider rapidement. J'ouvre mon Discord, là, je me mets dans le challenge général et envoyez des schémas paint, là. Là, je suis en train de réfléchir quand même. Lui, ce serait bien qu'il passe par le dessus. Genre comme ça. Lui, ce serait bien qu'il passe par le dessous. Genre comme ça.
Déjà. Déjà, comme ça, c'est pas mal. Ensuite. Mais j'en pleure, c'est magnifique. C'est un truc comme ça qu'il faut faire, non? Et on voit pas les portails, c'est ça? Attends, peut-être si je... Peut-être ils ont oublié le portail, on peut le voir et tout. Peut-être. Putain. On paye pour te voir réfléchir, d'accord. Je réfléchis. Les petits oiseaux. Les petits oiseaux. Il y a eu un échange entre les deux. Excusez-moi, la musique m'a hype un petit peu. 70 balles! Donc là, il y a des volants et de l'armure. La zone de dégression! La zone de dégression des monstres les plus forts! Ah, j'ai pas acheté. C'est perdu. Bah, la game est perdue alors. La game est perdue là-dessus. Hein. Normalement, il y a la zone de dégression là.
quand ils vont rentrer dedans, ça va être la teuf. Parce que du coup, ça va être double thune. Double thune et 50% de dégâts supplémentaires subis. Là, c'est double thune. En régal. Oh oh, lui il en a des HP lui. Oh oh, ça passe. C'est magnifique hein. Oh, des gros mobs. Des gros mobs dis donc. Splendide. Donc là, oh, double thune sur le golem doré. Non, j'en pleure. Double thune là-dessus hein. J'en pleure carrément. Double thune. Double gold hein. Vite, 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 double gold, double gold. Double gold, vite, vite. Ah, double gold. $350. Alors là, j'hésite. Je me dis, est-ce que je les fais passer? Est-ce que je les force à passer dans le sable? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pas ce que je veux dire? Est-ce que je les force à passer dans le sable comme ça? Tu vois? Comme ça? Comme ça. Voilà. Est-ce que je force ça? Et donc là, après, je mets une balise là, une balise là. Vous voyez, captez l'ambiance ou pas? Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que là, du coup, maintenant... Oh, on s'y attendait pas à celle-ci. Not gonna lie, they had us in the first half. J'ai perdu des vies. Not gonna lie. NGL. Bon, vu que là on en a rien à foutre, autant faire ça. Voilà, ils en ont rien à branler. Ça va bien mieux gérer là. Normalement. Encore des volants de merde. Oh, ça va être dur. Oh, ça va être dur. C'était l'heure des catapultes, c'était pas l'heure des balistes. C'était l'heure des catapultes. Oh, pétard. Oh, pétard. Ça peut peut-être le faire. Peut-être ça le fait. Merde. Putain, c'était l'heure des katas. Alors là, c'est un peu le cringe quand même. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est un peu légèrement le cringe. Le petit cringe. Et là, on se double kata. Je me double kata là. Hein. Je me double kata. Zéro damage. Mais vous savez que c'est perdu, je pense, hein. C'est 100%
sont perdus là. On va pas dans quel monde ça passe. Même si je mets du slow là, tu vois, ça va rien changer, hein. C'est ce que je me dis, hein. Lance-flamme, j'ai pas les thunes, frère. Lance-flamme, c'est cher, hein. Ouais, t'as avec une... On va essayer de les ralentir pour augmenter l'uptime un petit peu. Est-ce que le ralenti a fait le travail ? Est-ce que le ralenti a fait le travail ? Oh ! Non ! Excusez-moi, je crie, mais je suis investi, hein. Je suis investi. Peut-être c'est ça le play. Peut-être c'est ça le play. Parce que là du coup il y a un petit peu, voilà, il y a des damages en plus. Ça part dans les HP direct. Deux saintes balistes qui travaillent. Avec un petit slow. Putain. Lance-flamme va slow plus de mobs. Bref. Oui, mais je peux en mettre qu'un, quoi. Et là, du coup, attends, je peux mettre un slow de l'autre côté, à la limite, histoire de voir, mais bon. Là, oui, effectivement, ils vont tous être slow, quoi. Il y a beaucoup plus de slow qui partent. Est-ce que ça va permettre de faire le taf ? Je sais pas. En tout cas, ils sont tous en zone là. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, quand il y a une zone, ils sont tous dedans. Oh, l'uptime est énervé par contre là. Ah, par contre on a bien profité des dégâts, hein. Ouais, c'est vrai que c'est vénère, hein, quand même, hein. Le slow de ce truc là c'est quelque chose, hein. Pouah, c'est quelque chose, hein. Bah, ça a tout fait, hein. Ça passe, hein, du coup, hein. Pouah, la dinguerie. J'ai eu zéro thune. J'ai eu zéro thune. Pas un, zéro. Zéro thune. Perdu. Perdu, c'est tellement perdu.
Oh, donne double thune, toi. Oh, oh oui. Oh, la double thune des big boys. Ouah, on a fait tellement. Ouah, il est arrivé out of nowhere, celui-là. Donne un même. Donne un même. Un, c'est pas mal. M'a donné zéro, le mec. Ouah, c'est quoi ça? Tes mains, ils sont en métal. Les mobs de métal. C'est quoi ces mobs de fou? Je pense qu'effectivement mon erreur à moi, c'est que... Non, il n'y a pas d'erreur en fait. Non, en fait c'est pixel ce que j'ai fait, je suis le meilleur joueur de tous les temps. J'ai rien dit, je suis le meilleur. Non, je suis le meilleur. Non. Ouais, je vais avoir besoin de beaucoup de courage là. J'ai de l'argent. Oh mais c'est impossible. Ouais, tiens, un, il prend 50% de dégâts en plus, c'est pas l'autre. Comment je le tombe, lui? Le world boss, là. Comment tu tombes le world boss? C'est toujours celui à gauche qui est la zone, non? Non, les catapultes feront jamais le taf. Les catapultes feront jamais le taf. Voilà, je vous le dis, c'est impossible. C'est impossible parce que j'en ai décidé ainsi.
Le gel à gauche. Quoi, le gel? Ouais, mais le lance à gauche, c'est pas le problème, c'est à droite que ça passe. Enfin, ça passe à droite parce que... Enfin, bref. On va faire ça. Voilà, on va dégager plus rapidement. Le mec. Les deux gros de gauche qui passent donc à droite ne sont pas gelés, Kenny. Ah, vous pensez que c'est ça le problème? Et vous allez faire gober ça à qui? Tu penses que c'est ça le problème? Qui termine la difficulté maître. Moi je serais pas le premier à terminer la difficulté maître. Hein. Je serais même le dernier d'ailleurs hein, vu ce que je fais. Ouais, tu vois, du coup il a le temps de... Ouais, c'est pas ça le problème. Ouais, c'est ce que je pensais. Tu vois là, en gros, ça suffit pas. Il est vivant. Hein. C'est un peu mieux, mais il est vivant. Hein. C'était sûr. Rajoute un bloc en face des antres. Quoi ? Rajoute un bloc en face des antres. Genre là, là. Ici, là. Des antres. En face des antres, comme ça. Comme ça, on gagne un petit peu d'uptime sur les trucs, tu penses? C'est une bonne idée, ça, je pense. Ça, je pense, c'est une bonne idée. Devant le pont. Ok. Ah, les antres. Ah, genre là. Ouais. Ok. Les antres. En face des antres. Petit bloc en face des antres. Pourquoi c'est symétrique mais pas les dégâts? C'est à cause de la tour du milieu. Qui en gros pose une zone qui dégraisse sur les monstres les plus forts. Et en gros cette zone, elle permet de faire 50% de dégâts supplémentaires aux monstres et à ceux qui sont dans la zone. Et donc du coup bah le problème c'est qu'elle va le poser pas sur tous les mobs quoi. Donc c'est la terre du milieu, exactement. C'est le sable du milieu. Ouais, dans le channel général, poste-le dans le channel général. Si t'as un paint. Si t'as un paint, mon sauce, dans le channel général, je m'en délecte. Oh! J'ai envie de lui voler son idée. On lui vole son idée? Ça a l'air bien. Ok, on lui vole son idée, les gars. Je pense que c'est infiniment mieux que ce que j'ai fait. Valère nous a envoyé un truc de fou. Ah ouais, c'est une très bonne idée. En fait, c'est un peu ce que je voulais faire au début, mais je me suis perdu. En gros, c'est un truc comme ça. Voilà. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Regardez. Et pouf, 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 tu vois. Et en gros, ça fait que le rouge, il fait genre... Tu vois ce que je veux dire? Et si tu l'amènes jusqu'au dolmen, du coup, il va faire... Voilà.
Vous avez capté? Bon. Si vous avez capté, c'est super. Le problème là-dedans, le problème, mes chers amis, c'est que je suis putain de beau gosse. Non, aucun rapport. C'est que... Alors, le gros problème qu'on a, là... On va avoir un problème, là. C'est qu'on n'aura pas les dégâts. Je crois bien. Je crois bien que le problème, c'est qu'on n'aura pas les dégâts. Ouais, ça va être le souci qu'on va avoir là. Ouais, c'est qu'on n'a pas les dégâts au début. C'est en fait c'est le seul souci et bon globalement c'est quand même un gros souci. Après on peut peut-être avoir ça, ça, histoire d'avoir la base tu vois. Si on a ça et ça déjà, on a deux zones qui tapent sur le sable. C'est plus une route idéale. Non mais comme d'hab, je pense qu'effectivement c'est une très bonne route idéale. Je pense que c'est excellent, c'est très bien pensé. Le seul problème, c'est qu'il va falloir réussir à damage tous les mobs. Ça va être une autre affaire de réussir à tout damage. Et ouais, passe du coup. Et là, quoi qu'il arrive, je peux pas faire mieux. Je pense. À moins que... Ah si, attends, je peux peut-être faire mieux. Si, en gros... Si on se dit qu'on s'en fout et qu'on envoie direct en deux ici. Oh là j'ai int. Là j'ai int là. Là j'ai complètement. En fait en gros c'est bien je pense qu'il est. Ah mais attends, il y a peut-être plus de time ici en vrai. Même si c'est moins... Voilà. Parce que là, en gros, je pense que ça, c'est mieux. Voilà. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et on va essayer avec un seul de tout tuer. Est-ce que ça peut passer, vous pensez? Je sais pas. Oh. Presque. Inverse le dessin. Bah, tu peux pas. Tu peux pas inverser le dessin. Tu peux juste pas. C'est juste bad timing la prise de focus, non? En fait, je me dis. En fait, le truc, c'est que les dolmens, c'est quand même très fort pour carry l'early. Ça m'ennuie un petit peu, mais limite. On peut faire un truc un peu bête pour l'instant. Qui va juste amener les mobs. Parce que je pense que juste tu vois deux... Bon, regarde là tu vois j'ai dépensé 0 balles dans tout ça. J'ai dépensé 0 balles et je pense que on peut faire ça tu vois. Je pense qu'on peut faire ça. Parce que là maintenant on va faire très très mal. Grâce au dolmen. Voilà un. Mais si... Est-ce que sans repasser de l'autre côté ça passe? Ah ça passe pas. Ok ça passe pas.
Mais est-ce que ça passe s'il est tout seul à s'en occuper? S'il est vraiment tout seul à s'en occuper, est-ce que ça passe? Je pense pas, mais on va voir. Perdu. Ouais, peut-être que lui, il peut save le truc, hein. Voilà. Avec une petite vente. Là, tu vois, j'ai 90. 90. Est-ce que ça me permet de construire ce chemin? Et de m'envoyer ça. Voilà. Le chemin, c'est ça, en gros. Donc les tours les plus importantes, elles sont 1, 2, 3, c'est les 3 ici. Les 3 là, c'est celles qui vont faire le plus de dégâts. Perdu 10 balles, mais ça va. Ouais, perdu 10 balles pour avoir le chemin opti, ça vaut le coup la plupart du temps. Le 2, j'ai oublié ce que c'était. C'est pas du vol. Totalement du vol. Ouais, bon bah ça va passer. Tout à l'heure c'est passé, ça va passer là. Ok! Nice! Bien, très bien. Oh, il est bien ce chemin, j'aime bien. 300 balles. Est-ce que je l'envoie direct? On tente de l'envoyer direct sans réfléchir, on voit ce qui se passe. Là, il va y avoir les zones de dégâts. Et on peut peut-être aller chercher une tour là, par exemple, ou celle-ci. Je sais pas laquelle est la mieux. Je sais pas laquelle est la mieux en vrai, mais bon. Oh, le double thune dessus, là, il nous a régalé. Le truc, c'est que là, on va profiter un petit peu plus du double thune. Il va y avoir les insectomides. Ah, fait chier, oui. Et là, du coup, c'est les insectomides, là. Non, mais il va y avoir... En fait, là, du coup, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas la mettre là. Il faut que je mette l'anti-insectoïde ici. Et ouais, je peux pas faire ça, en fait. J'ai fait quoi? J'ai fait n'importe quoi. Je relance la vague 3. Et en gros, là, je vais bail ça. Je bail ça, tu vois. Donc là, ça fait qu'on va pouvoir tenir cette vague, pas de problème. Et par contre, il va falloir que je mette ça là. J'ai pas le choix. Il tape du rouge, il tape du bleu, donc c'est très bien. Tant qu'il tape les deux, on est bon. Oh putain, il peut taper. On peut taper comme ça de loin. C'est bien, ça. On peut faire ça, quoi. La bombe. Oh oui, il tank bien le rouge. Il nous aide bien, le rouge, là. Là, du coup, il y a la première zone qui va pop. On va ici. Et on se met en symétrie. Symétrie parfaite. Hop, là, un petit peu de thune. Refais-moi pop ça. Hop. Et merci pour la thune. Et il va y avoir les insectomides après. Effectivement. Effectivement, effectivement. C'est une donnée que j'avais plus, que j'ai zappé. Là, il y a beaucoup de thunes à faire, mais le truc, c'est que j'ai peur que ça meure avant. Non, il y a peu de chances que ça meure avant. Ça va. Par contre, j'ai pas de thunes pour les tuer. Pas de dégâts. Oh, l'ambiance est chelou, là. Contre eux, là, l'ambiance est super bizarre, non? Bon, après, ils vont prendre les zones, ils vont faire l'aller-retour et tout. Normalement, ça devrait aller, mais bon. Voilà, il va prendre super cher. Boum, 100 balles. Quoique, en vrai, ça va. Et on va avoir un deuxième double thune, peut-être trois double thunes même, hein. Parce que là, du coup, lui, c'est bon, il a pris ça. Et lui, il va prendre aussi son double thune. Ah, mais c'est très bien. Du coup, on a eu trois double thunes. Ah ouais, c'est bien. Wouah, 362 balles. Pouah. Ah ouais, on s'est régalé, là. On s'est régalé. Alors,
En prévention, je vais juste vérifier si c'est la... Ah oui, c'est la zone d'insectoïdes. Ouais, c'est la zone d'insectoïdes. La vague d'insectoïdes. Putain, je sais pas parler. Ok, donc à partir de là, boum, boum. Tu vois là, c'est anti-insectoïde, 100%. Parce qu'eux, ils en ont rien à foutre. Donc là, eux, on a besoin de l'insecto-truc, là. Insecto-insecta-gogo, là. Ça, c'est magnifique. Et on peut se mettre juste au-dessus, voilà, deux arbas. Deux big balistes. Deux big balistas. Voilà, en plus ils prennent 50% de dégâts en plus. Ah, il meurt pas, je crois. Ouais, il meurt pas là-dessus. Ouais, aurait fallu le faire pop plus tôt. Vas-y, on va les faire pop plus tôt. D4 et F8. A, B, C. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Non, là on perd. Tu voulais dire ça et ça, non? Mais du coup, en faisant ça, on perd du DPS là-dessus. Malheureusement, on a une tour qui ne tape plus des deux. De deux sides là. Donc bon. Est-ce que vraiment. Je sais pas. Donc on s'est dit insectomide. Voilà, et double baliste. Et les doubles balistes. Je vais upgrade, ça passait, je pense. Non, 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 ça passait jamais. D'ailleurs, ça passait jamais. Hein. 100%. Meurs. Bon, en tout cas, le chemin est bien mieux là. Ça, c'est sûr, par contre. J'aurais pas dû mettre mes balistes ici. J'ai que 32 balles, donc faut que ça passe. Voilà, globalement, hein, c'est... Après, on peut avoir un petit truc comme ça. On perd un peu en damage sur un truc, mais... J'ai de l'argent. J'anticipe le gel. Ouais, ouais, je vais mettre le gel ici et ici, je pense. Ou alors je le mets juste avant, tu vois, je le mets une case avant. Ouais, ils sont morts. Les arbalètes qui vont se retourner là, les balistes. Et là, du coup, on envoie la 7. Oh putain, dis donc. C'est qu'ils en ont des HP, c'est vrai, hein. Ça me fait chier, ils vont mourir avant. Voilà. Et là, moi, en gros, j'imaginais ça et ça. Voilà. Du coup, ça va geler un peu là-haut. Ça va geler un peu ici, puisqu'on a la range. Et ça va geler en entrant là. Donc, il y a les deux. Autre question ? Voilà, nickel, ça gèle ici, c'est bien ça. Putain, il y en a sur le bord, il a pas été gelé. Le goat. Ah merde, mais c'est cette vague. Merde! Oh zut! Ah ouais, on y est déjà! Bon, ça passe moins qu'avant! Bon, par contre, effectivement, ils sont gelés pendant longtemps ici, quand même. Ça, c'est plutôt bien, mais... Ouais, ça passe pas, hein. Peut-être que lui, il me donne 60. Je sais pas. Non, un kill, il me donne pas 60. Il me donne 20 et quelques. Ouais, non, ça passe pas.
Faut de la peiné. Bah écoute, frérot, je sais pas comment te dire. J'utilise les armes qui ont le plus de peiné de... du jeu, donc... J'espérais que ça fasse quand même. Merci Trififer. D4 et F8, mais D4 ce n'est pas une case, c'est, y a rien, c'est vide ici. Là, je peux rien mettre là. Baliste 3 peut-être. Ouais, j'ai posé les balistes 3, là, elles sont tuées 2, tu vois, boum, elle va passer 3, pas de problème. Bon, je me suis fait un peu surprendre par la vague, effectivement. Peut-être c'est ça le plan, effectivement. Peut-être le plan, c'est de s'envoyer un truc qui double damage sur le dolmen comme ça. J'ai de l'argent. Effectivement, on a peut-être un peu plus de dégâts ici, mais est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, tu vois. Putain, ils ont 3720. Bon, dans les HP c'est bien, ça tape bien, maintenant il faut tomber le deuxième quoi. C'est ça le problème, c'est que le deuxième il tombe jamais. Hein. D'autres il est encore full vie, à comprendre. Putain, je comprends pas. Au pire, c'est une vague où on se dit qu'on vend tout ce qui fait pas de la peine et go next, tu vois. Genre vraiment. On se dit que ça saute, tout saute, sauf ce qui fait de la peine, tout saute. On se dit ça, hein, à la limite. Et puis on voit ce qui se passe. Tout ce qui fait pas de pénétration, ça dégage. Voilà, j'ai des arbalètes 2 là sur les dolmens. Posé up front sur les dolmens là. Après, effectivement, j'ai un petit peu plus de mal à tuer le reste. Et donc, on va perdre beaucoup de dégâts sur les grosses tours. Ouais, mais tu vois, in fine, on perd en dégâts, tu vois. Ah oui, c'est bien, ça one shot, mais bon, faut les tuer, quoi, les trucs. Voilà. Donc là, tout ce qui fait pas de la peine, j'ai sauté. Ouah, les dégâts, ça les one shot, la dinguerie, par contre. Ils se font péter en deux par contre, hein. Quand ils sont sous zone, c'est un cauchemar. Hein. T'as pas changé de target toi? Ouais, ils se font péter en deux, mais bon, ça suffit pas. Hein. Et là, tu vois, j'ai assez pour en poser un, genre là. Il faut lui, hein. Ouais, faut toujours un truc qui rafale les petits au début. Et du coup, bah, pour ça, les insectos machins sont très bien. Les petits se font rafale, donc ça c'est excellent. Ah, il y a quand même beaucoup qui meurent. Bah ils meurent tous en fait, hein, globalement. Ils meurent tous de la main de ce truc là. On a envoyé tout ce qu'on a pu. Hein. L'objectif c'était de dérouiller et là on a dérouillé au maximum. Lui il est déjà mort. Ce que j'ai fait pour y arriver quand même. Rendez-vous compte de ce que j'ai fait pour y arriver. Ouais, mais du coup j'ai plus les insectes au machin. C'est perdu. Je les ai plus les insectes au machin là maintenant.
Ok, alors, ce qu'on va faire, le bricolage, ah ouais, c'est du bricolage chez bricolage, hein. On va poser ça au plus vite. J'ai pas d'arbas en trop, ça me paraît ok. De toute façon, est-ce qu'on a vraiment des arbas en trop? Je crois pas. Enfin, des balistes, pardon. Les balistes, les saintes balistes doivent être respectées jusqu'au bout. Très important de respecter les saintes balistes. Là, on va essayer de damage un maximum pour gagner de l'espace et des dégâts, tout simplement, sur ces trucs-là. Et il me faut 30 pour sortir. Magnifique. Là, il y a un maximum de dégâts qui doivent être infligés. Est-ce que ce level up était présomptueux? Je pense qu'il va aider quand même. On n'a pas la range pour les damages. Et ouais, et du coup. Dommage. Putain, il est dur ce level. Le round d'avant t'a coûté trop cher. Mais mec, je savais pas comment le passer, je vais pas te mentir. Hein. Je savais pas comment le passer le truc d'avant. Je pense que c'est loose. Hein. Je pense que c'est turbo loose. Malheureusement, effectivement, avec tous les switches que j'ai dû faire et tout, c'est vraiment, vraiment loose. P90 au mid. P90 au mid pour que ça tape plus aussi sur les côtés. Ouais, peut-être, hein. Peut-être c'est ça le plan, ouais. Hein. J'ai oublié ça. Comme ça, ça tape tout, quoi. Comme ça, ça tape même ce qui arrive de l'autre côté. Effectivement, ça arrive un peu tard celui-ci, donc forcément. Ouais, l'autre, tu vois, il. Ouais, l'autre, vu que j'arrive à le poser assez. La fléchette, même résultat. Ouais, ouais, même résultat. Même résultat. Et si. Regarde. J'ai une idée. Parce que là, du coup, baseline, je vais pouvoir la poser. Là, de base, je vais pouvoir la poser. Donc, on va gagner un petit peu de dips là-dessus. Et là, il faut ASAP que le truc on puisse l'upgrade. C'est tout. Globalement, c'est le seul truc qu'il y a à faire. Et dès que j'ai 30, il faut upgrade et il faut que ça tape le grand. Et ça tape le grand, c'est game. Parce que là, elle sert à rien la tour de toute façon. Ok ? Ça peut être pas mal. Ça peut être game, hein ? Ça peut être game là-dessus. Sont passés. C'est bizarre ça. C'est bizarre ça quand même. C'est bizarre parce qu'en plus elle sert vraiment à rien la tourelle de gel. Hein. Merde.
Enfin, elle sert deux secondes, quoi. Ouais, je pense que dans tous les cas, je me suis mis trop cher à l'économie au round d'avant. Parce que tu vois, même si... si je me dis, vas-y, c'est pas grave, on va jouer avec l'arbalète en plus au-dessus, mais enfin, elle va rien taper, quoi. Je me dis qu'elle va vraiment rien taper, hein. Elle va être useless, hein. Mais vas-y, pourquoi pas, hein. Celle-là, elle est à des sons et lumières de servir à quelque chose. Ouais, en fait, il a 2000 HP, 1000 d'armure. Pas sûr que le dernier up qui coûte 30 soit mandatory. Moi, je pense qu'il l'est, parce qu'en fait, il met du poison. Et donc, bah, ça change pas mal de trucs. Ça change pas mal de trucs, le poison. Ah, ça permet de tuer le mob, quoi, globalement. S'il a plus d'armure, il va finir par mourir. Pas aussi simple que ça, mais presque, hein. Presque. Activer, ça sert à rien ce que j'ai fait. Et tu vois, sans le poison, on n'en tue aucun des deux. Mais avec le poison à gauche, ça passe. Putain de merde! Ah, c'est perdu, hein. C'est vraiment perdu, je pense. Bon, bah écoutez, le problème c'était la vague... C'est la 8 ? C'est quelle vague le problème ? C'est celle-ci, hein, on est d'accord ? Ouais, c'est clairement celle-ci le problème. Je vais poser des balises partout, mec. J'en ai rien à foutre. J'en fous partout des balises. Je mets des balises partout. Ah, une balise de plus. Je m'en mets partout. C'est la sainte baliste. C'est l'histoire de la sainte baliste. Pourquoi elle a pris si cher? Pourquoi lui il a pris si cher et pas les autres? Ah merde, j'ai pas mis de balise sur les dolmens. Ça c'est du win ça. Ouais, ça, là c'est FF. Ouais, globalement, rappelez-vous comment j'avais réussi à gagner ce truc là. J'avais vendu ça, bon ça c'est normal, hein. Ça c'est normal de les vendre. Ça c'est tout à fait normal, mais par contre... Ouais, ça met du 80, hein. Ça met du 80 au lieu de... Bah ça fait comme si elle avait un level de base, enfin comme si c'était une level 2 quoi. Ah merde, j'aurais pas dû la mettre là. On va moins profiter là. Et ouais, parce qu'en fait là elles sont plus puissantes ici. Magnifique ça. Ouais, les upgrades, c'est même pas comme si elle avait juste un level de plus, c'est x2 damage en fait. C'est littéralement x2 damage. Ouais, donc c'est broken. C'est juste broken en fait. Elle a pris plus de dégâts ici, donc on va essayer d'upgrade là. Ouais, mais de toute façon, faut tuer là. Je vais le tuer en deux coups là. Ouais, je sais pas. Tout à l'heure j'ai réussi à le passer, mais parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai tout revendu, j'étais en mode femme. Ou
Raid sur dolmen. Ouais, ouais, c'est la seule solution. Mais après, de toute façon, c'est pareil. Tu vois, tout à l'heure, quand une fois que les dolmens étaient passés, j'ai revendu les dolmens. Et enfin, je sais pas comment dire. Genre, j'ai fait vraiment. C'était du pur feeling. Il s'est passé que de la dinguerie. Il s'est passé que de la dinguerie dans le trail d'avant. Tu vois, j'avais délaissé mes fléchettes. Mais j'ai perdu tellement de thunes en faisant ça. Et voilà, là il y a zéro thune à gagner. Et là maintenant, courage, faut tous les tuer. Ce qui est impossible. Factuellement. Là, lui, il va faire autant de dégâts qu'il peut. C'est dommage hein. Oh putain, il s'arrêtait de taper, quelle tristesse. Oh non, il va être à un coup. Bon, lui en haut, il était en bas, il était à un coup. Le score en mono cible est plus efficace? Non, il est pas plus efficace. Il fait un tout petit peu plus de dégâts, mais c'est genre que dalle. Le seul truc, c'est que lorsqu'il est amélioré à fond, il peut slow les aériens. Ça, c'est pas rien quand même. Hop. Bah, c'est superbe, mais du coup, ça paraît être la bonne vague. L'emplacement proche du centre te nerve pour rien. Tu parles de ça là ? Ah non, au contraire, ça augmente l'uptime. Bien au contraire. Bien au contraire, mon cher ami. Dans tous les cas, on est obligé d'avoir cette tour activée. On peut pas faire autrement. Ça, c'est sûr et certain, on peut pas faire autrement. Attends, mais... On voit tellement du pâté en fait. Dérouille autant que tu peux, dérouille autant que tu peux. Oh oui, bon là les deux vont se faire arracher la gueule. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, lui il est mort. Ah mais l'armure en fait, hein. Pour tomber l'armure, courage, hein. Il n'a pas réussi à tuer. J'ai de l'argent. Rétrograder le niveau d'une tour. Ok, j'ai une idée. De toute façon, dès que les ninjas sont passés, ils servent plus à rien les slow. Level 3 ASAP, c'est fait. Ah, le truc c'est que là pour le coup c'est sûr que y aura tout le monde qui sera pas des buffs. Lui
lui, il va se faire péter en deux. Oh, il y en a, il a pris double. Ça passe. Je l'ai fait. Je l'ai vendu à la fin, je suis trop con. Ça m'a, en fait, ça m'a baisé, j'aurais pas dû la vendre. En fait là j'ai le même problème. J'avais réussi à régler le problème. Et ouais, du coup j'ai refait la même erreur. Ouah, j'ai trop le seum. Ok, je sais comment je l'ai passé au moins. Je sais comment je l'ai passé au moins, donc ça c'est cool. Ok, boum. Donc là en gros faut level up dès que ça peut. J'ai reçu une récompense de communauté. De communauté sur Steam, bravo. Je reçois un mail pour ça carrément. La jambe que ça me fait. Ok. Splendido. J'ai de l'argent. Deuxième. Piouf. Ouah, les dégâts par contre que ça met quand ça tape. Ok, lui il a pris quand même. C'est très bien. Ok. Ah mais putain, je l'ai vendu, je suis teubé. Bah ouais, c'est pour ça que ça va galérer. Parce que du coup, il me manque une arba là-bas. Hein. Peut-être ça passe. Non. C'est ça qui me manque, putain. Et oui, c'est ça en fait, c'est qu'il me manque le slow Q ici à utiliser. Après, sans slow, je pense que je donne pas cher de ma peau, hein. Franchement. Sans slow, je donne vraiment pas cher de ma peau. Malheureusement. Bon après là ça tabasse quand même. Ok, sans slow ça passe pour l'instant, sans slow ça passe, sans slow ça passe. Après il va se taper là. Oh bah lui il est mort. Oh là là, lui il est tellement mort frère. Ouais parce qu'en fait là tu vois on a. Oh oui d'accord. En plus il est sous tier 3. Oh quoique, attends. Ça passe pas. Je deviens fou. Je deviens fou maintenant, c'est cette vague qui me rend zinzito. Ah,
Allez, one shot moi tous les mobs qui passent là. Paf! Des gros headshots là. Mets-moi des gros headshots là-dedans là. Là, je veux des big one shots. Mais elle est déjà full. Et ouais, mais du coup, lui, on va peut-être le tuer. Mais on le tue même pas! On le tue même pas! La dinguerie! Bon, allez hop. Upgrade! Mais upgrade quoi? Y'a rien à upgrade là. C'est terminé, hein. Terminé, je vais jump. Ouais, j'en ai marre pour aujourd'hui. J'en ai marre pour aujourd'hui. Je vais arrêter, je pense. Mais c'est très sympa. Voilà. C'était la deuxième session sur ce jeu. Et écoutez, c'était cool. C'était très très cool. J'espère que vous avez kiffé. Merci à tous d'avoir été là. Artisan TD, No Hit, difficulté maître. Je me suis régalé. Bravo Unexpected. N'hésitez pas à aller mettre un petit avis sur le jeu si vous l'avez acheté. Ou si vous comptez, si vous l'avez acheté tout simplement. Un petit avis positif, voilà, c'est assez important, ça aide beaucoup le jeu. S'il atteint un certain nombre, il y a toujours des paliers en fait qui permettent voilà, de bien mettre en avant le jeu sur Steam, donc ça prend 2 secondes et ça soutient de fou le studio. Donc si vous l'avez pas fait et que vous avez le jeu, prenez le temps, allez sur Steam et mettez un petit avis positif. Si ça vous a plu, bien sûr. Mais voilà, c'est pas un hashtag ad, on m'a pas payé pour dire ça, mais je sais comment ça marche et ça pourrait être sympa pour lui et pour les devs quoi, qui en vrai ont fait un bon boulot, tu vois. Donc c'est cool de soutenir des initiatives comme ça, surtout quand vous avez déjà acheté le jeu, ça vous coûte rien de plus, à part 2 petites minutes. Donc prenez le temps, ça fait plaisir, ça fait toujours très plaisir aux gens. Moi en tout cas j'ai passé un très bon live, j'espère que vous aussi, et je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, c'était un régal, c'était Artisan TD, et voilà. Je sais pas si on se retrouve demain en live, j'ai rien prévu demain. Mais peut-être, peut-être je vous préviens sur Insta, Twitter, Twitch, Discord, comme d'hab. De petites updates, de trucs à faire ou quoi, mais en tout cas j'ai rien prévu en soi. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Et on se dit du coup peut-être à demain. C'était un régal de live pour vous aujourd'hui. Salut! C'est ciao. C'est ciao! Oh! Merci Pictors pour ton tir, merci beaucoup. Merci pour le soutien avec les subs. Merci beaucoup les gars. Magnifique. Oh. Il a crash. Il est bugué votre jeu là. Oh. Allez, ciao.